L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut télécharger et installer PaintNet sur Windows 10. Alors ça serait sensiblement la même chose si on l'installait sur Windows 7. Donc ici j'ai fait une recherche dans Google, Download PaintNet. Alors je vous déconseille de faire la recherche Télécharger PaintNet parce que vous allez tomber sur tout un tas de sites un peu bizarre que je vous conseille pas. En faisant download PaintNet, vous aurez assez vite le bon site qui s'appelle getpaintnet.net. Donc là, on ouvre getpaintnet.net et ici, on a dans la page download deux possibilités, soit passer par le magasin d'applications de Microsoft, soit télécharger directement PaintNet. Donc ici, c'est gratuit, donc je vous conseille download now paint.net. Ensuite, quand on arrive dans cette page, il suffit de cliquer ici pour télécharger un fichier zip avec à l'intérieur les fichiers qui vont nous être utiles. Donc, une fois que le fichier est téléchargé, normalement, il va être dans vos téléchargements. Alors moi, je l'ai dirigé vers un autre endroit, dans un dossier PaintNet. Donc le fichier zip, je le sélectionne. Et ensuite, dans Extraction, ici, je peux faire Extraire tout. Ou alors, je fais bouton droit, Extraire tout. Alors, si vous avez installé 7-zip, vous pouvez aussi extraire l'archive avec 7-zip. Donc là, je fais Extraire tout. Je vais lui demander de ne pas afficher les fichiers, puisque je vais laisser strictement au même endroit. Voilà, donc il m'a fait un dossier ici, avec à l'intérieur, le fichier exe à installer sur mon ordinateur. Donc là, je double-clique dessus. Donc là, je vais faire oui. J'autorise PaintNet à modifier mon ordinateur. Donc ensuite, ici, je vais faire une installation express. Suivant. J'accepte les termes de la licence. Suivant. Et voilà, il vient de terminer, donc là je peux démarrer PaintNet. Donc le logiciel s'ouvre. Donc je peux le mettre en plein écran. Et j'ai bien comme d'habitude hein, mes quatre fenêtres ici pour pouvoir travailler. Et voilà.